Et bonjour tout le monde. Alors voici l'été 2019 et des vacances rurales en Aveyron. Et première étape de notre périple, nous voici à Roquefort, prêts à visiter les caves de société. Visite gourmande en perspective. Pour ce faire, n'oubliez pas le pantalon, quitte à décrocher les rideaux, et la polaire. 6-7 degrés dans les caves, paraît-il. Allons-y! Avant, on descendait de par le resto. Ouais, c'est pas tout ça. Là. Non, ça a été creusé. Ce tunnel, là, en fait, a été creusé, il est sous le parking. Ouais, c'est pas on est d'accord, hein, il allait à cheval entre plusieurs fleurines pour que l'air puisse circuler. Et donc, c'est par ces failles-là que pénètre l'humidité et la fraîcheur nécessaire. L'été, quand il fait chaud à l'extérieur, la fleurine souffle l'air. L'hiver, froid, elle aspire l'air. Question de pression. Ainsi, la température dans les caves reste quasi constante toute l'année. On va passer sous la fleurine. Attention au courant d'air. Alors, ce qui empêche de respirer et de se développer. Au bout de 20 jours, une fois qu'on considère que le pénis s'est suffisamment développé, on retire les gens. Alors, après cette très agréable et instructive visite des caves de Roquefort Société, qui s'est terminée par une dégustation de trois Roqueforts de 1863, le Templier et le Bayargue, malheureusement, on ne peut pas remplir la glacière, on n'en a pas. Eh bien, tant pis, on vous emmène visiter le village.